Ce matin à 7h, c'est le corps de Issa Diakité, âgé de 70 ans et originaire de la localité de Nyantanina, relevant de la préfecture de Mandiana, qui a été retrouvé devant une boutique en plein centre-ville. Donc quand je suis venu, j'ai trouvé le monsieur, il était assis ici, bon, il ne se sent pas bien, il était couché du moins, il ne se sent pas bien. Je suis parti à la station, j'ai demandé Fodé s'il connaît les parents de ce monsieur. Bon, lui m'a dit que non, il ne connaît pas les parents. Donc en ce moment, moi je suis parti, j'ai essuyé mon télécentre. Quand je voudrais rentrer, j'ai vu le monsieur, il était assis. Donc moi, je suis rentré dans la famille. Quand je sortais, j'ai trouvé que le monsieur est déjà décédé. Après l'examen, les médecins présents sur place ont conclu à une mort naturelle. Ibrahima Sori Camara du service traumatologie de l'hôpital régional de Kankan affirme que le corps va tout de même être envoyé pour approfondir l'autopsie. On l'a trouvé, bon, après notre analyse, il n'y a pas eu de coup de blessure sur le corps. Et il n'y a pas de lésion cadavérique en un mot. Et c'est un mort naturel. Bien sûr, nous devons envoyer le corps à l'hôpital, faire d'autres investigations là-bas, des autopsies sur lui là-bas et chercher éventuellement ses parents. Avant même que le corps ne soit transporté à l'hôpital, les parents de la victime se sont présentés sur les lieux. Abrawati Jamange. Cela fait plus de 10 ans qu'il est malade. Il refuse d'aller à la maison. Il était en aventure au Nigeria, c'est là où il a contracté la maladie. Il est célibataire et sans enfant. Nous donnons à Dieu. Monsieur Table d'Entable. Présent sur place, un conseiller communal a fait savoir que la mairie va assister la famille pour le transport du corps à Mandiana pour les funérailles.